Et bonjour à toutes et à tous, c'est Zavoy, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Pokémon Violet. Et aujourd'hui du coup, on devait se diriger vers la prochaine étape. Ah, ok, bon on l'a déjà en soi. Le Polagriffe, alors, oui on devait... Oh, ça va être rigolo, venez on... Ça, est-ce qu'on l'avait capturé ça? Le balbalaise, pas du tout. Ah, peut-être... Voilà, changer notre équipe. Bah c'est bon, on a l'Aviator, donc c'est... Intéressant, il est où? Bah il est pas disparu là. Putain. Bon bah il a disparu. Bah tant pis, au moins on sait qu'on a l'Aviator donc c'est cool. En tout cas j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Pourquoi il y a ça ici, wesh? Je sais pas, on va pas se poser de questions hein. On va monter nous. Je sais même pas où on va là hein. Mais on y va en tout cas hein. Ah le Blizzard Roi. Alors, est-ce qu'il nous voit? Bof, hein? Ok, bah ça c'est cool. Ça fait une capture gratuite, donc ça fait toujours plaisir. On va prendre son eau, là. Hop, là, voilà. Bizarre, du coup. Alors, merde, il neige. Un petit vent violent. Ça peut one-shot, mais bon. Ça peut ne pas one-shot aussi. Let's go! En plus, la prise par surprise, donc ça c'est godlike. Allez, Super Ball, ça dégage peut-être un... Une capture ultra rapide, allez. Pour commencer cet épisode, en tout cas. Allez, ça c'est fait. Niveau 43, c'est bien. C'est bien, ça avance. Blizzard Roi, du coup, eh oui, forcément. Et ça dégage. Ah, y a un Pokémon qu'on n'a pas eu entre le Blizzard Roi et le Polarif, là, le Polarum. J'en ai aucune idée, bah ça on va essayer de le one shot hein, tout simplement hein. Encore. Oui mais il neige déjà une idée. Bah ça peut one shot quand même hein. Blizzard Roi n'est pas Blizzy hein. Voilà, ça dégage, allez hop. J'espère qu'on va pas faire un autre combat. C'est vrai que c'était assez probable mais ça a l'air d'aller. Donc tranquille. Hop, on prend Mirédon et on grimpe. Si c'est possible de grimper. Oh. J'ai besoin de données, ouais, c'est encore un gros combat ça hein. Bon, nous, en tout cas, on va remonter ici et on va regarder un peu qu'est-ce qui est intéressant pour nous, hein, vers où aller, etc., etc. On regarde le Pokémon, au cas où ce soit un Pokémon que nous n'avons pas, bon, un Zapetrel, bon. Un cas d'oiseau, regardez, ça, on n'a pas, par exemple, le cas d'oiseau. On va attendre qu'il tourne encore une fois. Je sais pas si ça a été bruit par surprise. Je suis un peu dubitatif, là. Non. Est-ce qu'on one-shot, maintenant? C'est la question. On va mettre une cascade. En espérant que ça one-shot pas. Bon. Pas grave, c'est pas grave. Alors. Oh, le tombe chieu. Fais chier. Le tout tombe. Le tombe chieu, vraiment. Le tout tombe. Bon, on met une cascade, ça one-shot. Les cascades, quand même, très puissant hein, de la part de l'Aviator. Donc ça, c'est cool. Bon. Nous, ce qu'on veut, quand même, c'est se diriger vers... pour faire ce qui est intéressant, donc... Hop, on s'arrête, on ouvre la carte, et vers où devant nous? Eh, hey, c'est quoi ce Pokémon, là? Vous avez vu? Pokémon gris, il y a les Givrali aussi. Bah là, c'est trois Pokémon que nous n'avons pas, hein, littéralement, je veux dire, non? Ah, mais... Ah oui, d'accord, donc là, c'est les arènes et tout. Donc nous, on peut se téléporter ici et redescendre gentiment, hein, pour aller jusque... Voilà, on en avait parlé dans le dernier épisode. Donc, c'est rigolo, c'est le toit de Paldea. Ah, mais c'est une zone de téléportation, le toit de Paldea, en fait. Ça c'est... Ah oui, d'accord. Ah oui, ça vaut une... Ah oui, bah d'accord. C'est godlike. Alors, nous... Givrali, ce serait bien d'avoir... oui, un Evoli. On sait même pas où sont les Evoli, en fait. Voilà, bon, on voit qu'il faut aller là-bas. On voit qu'il y a une tour en bas, donc on va essayer de la prendre aussi. Comme ça, au moins, c'est fait. Alors, il va descendre petit à petit, là. Le planeur ne vole pas à l'infini comme ça. Hein. Au bout d'un moment, il va redescendre. Et c'est maintenant que ça redescend, vous voyez. Alors je sais pas jusqu'à où, je sais pas comment, mais Ah oui, là il perd de la vitesse. Hop, une petite Pokéball, ça fait plaisir. Là cette fois-ci on va planer jusque là. Ah merde, le Nigleli on aurait pu le prendre en effet. Et du coup, nous voilà sur une tour hein, tout simplement. Ça on va l'ouvrir pour faire le combat face au Moldudor. Pas trop grave, wesh. Mordu d'or, pardon. Pareil, on va le one-shot, en fait.
Mais pourquoi il... Non mais au moins vous me direz, il n'y a plus de téléportation, c'est peut-être bien, peut-être ça a été fixe, c'est tant mieux, mais... Bon, un peu bête que le combat se fasse ici. C'est vrai que les combats face au Mordudor, c'était du grand n'importe quoi. Hein. Ah, le Pokéstop est en bas, en effet. Ah bon, on pourra pas ouvrir la carte, alors il faut espérer ne pas s'être trompé, mais après... C'est 4 tours là-bas? Ah oui, mais cet endroit... Ah, c'est juste en face, regardez la Team Star. Mais nous, on va s'arrêter là, forcément. Passer un petit coucou au Pokéstop, hein, forcément. Oh, quelle chute. Alors, on entend une pièce déjà. Elle est où? Elle est là. Bon, après, je pense que le niveau pièce... bon, après, je sais même pas si c'est vraiment utile, hein, mais bon. On prend quand même. J'ai jamais utilisé les pièces, mais peut-être qu'à un moment, il faudra. Oui, bon, pire, hein, mais Pokémon, on peut trop... Pyroli. Nous n'avons jamais eu un... Oh, bah, toi. Par surprise, le Pyroli. Ok, ça y est, notre première révolution d'Evoli. Là, voilà, un Pyroli, tout simplement. Niveau 52. Aïe. C'est une cascade ou un hydrocanon? C'est une cascade. De l'eau, ça fait très mal sur le feu, donc allez, une cascade. Ouh, le one-shot. Waouh. On lui a mis un tartare, là. Je parle pas de la cordillère tartare, bien sûr. Et regardez encore ce Pokémon, là. Que nous avions tué. Alors lui, on sait qu'il nous charge, donc... Allez, c'est parti, on se trompe pas. Par surprise, je crois. Let's go, le Brutalibré. Alors, le vent, ça faisait mal. Cependant, il était niveau 41. Bon, allez, niveau 5. Non, allez, cascade, on y croit. C'est un gros midlife. Avec la cascade, un gros midlife. On espère un gros midlife, allez. Mais par one shot. T'as dit niveau 49 face à niveau 51. Je m'y attendais vraiment pas à ce que ça fasse ça, donc bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Là, le loup-garou, bon, ça, on a déjà. Ça, bon, vas-y, il y en a partout, donc pas besoin non plus. Ah, un Ursa King. Par surprise, je crois pas qu'on l'ait, hein, donc on va voir ça tout de suite, de toute façon. Oui, Ursa Ring, j'ai dit King. On met quoi, un petit vent violent? Ok. Ok, maintenant une cascade. Pourquoi la cascade? Ça va permettre peut-être de lui faire peur en fait. La cascade, ça rend pété. Par contre, les Teddy Ursa. Ouais, si, on avait déjà capturé les Teddy Ursa en effet. Allez, nous on se casse. Oh, regardez, il y a les gros inks là, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, on récupère ça. On ouvre la carte. Parce que notre but est quand même simple, c'est d'aller ici. Et bah, va falloir grimper, hein. Il y a tout l'air en tout cas. C'est des grottes, hein. C'est... J'ai regardé au-dessus en fait. Je suis désolé, mais quoi là? J'ai regardé littéralement. What? Puis c'est chiant parce que ça a des HP, hein, mine de rien. Vas-y, hydrocanon. Faut pas qu'il la rate, quoi. Ok. Ok, c'est bon, on va l'attaquer le port. Nous, c'est un one shot, ça. Mais je comprends pas. Cascade? Le brouhaha, ça te fait de plus en plus de dégâts, je crois. Par contre, cascade, les dégâts que ça, c'est un peu trop. Hein. Je crois qu'il y a plus de dégâts sur cascade que... Oh putain, ils vont passer niveau 51 et 52. Là, ça, c'est incroyable aussi. Faut grimper. Non, faut grimper, frérot. Ok. Ok. Oh putain, ça c'est les pépites d'or. Ça se revend cher en effet, donc... Oh, regardez. Wow, ok. C'est une zone marécageuse, je kiffe. Ça j'adore, parce que ça va donner peut-être des petites lianes, des petits... Ok, bon, pas ça forcément, il y avait quelque chose ici. Est-ce qu'on peut, vous penser, grimper là-dessus? Parce que, bon... Alors. Est-ce que vous entendez un bruit bizarre? Je vais vous faire une petite ellipse. De toute façon, on arrive tranquillement ici. Donc, à tout de suite, mon petit koala pour le Pokéstop. Allez, on arrive dans cette zone. C'est magnifique ici. Wow. Bon, j'ai de la visite à la maison, tout simplement. Forcément, après le déménagement. Mais, C'est quoi ça?
Larve. C'est pas genre le papy. Aéromite, ça me dit quelque chose, hein. Je sais pas si c'est un Pokémon de la 1G, littéralement. Le vent est fort contre l'insecte, normalement, on avait dit. Je sais pas si on va one shot, hein. Ouais, let's go, super. Allez, Super Ball, go sur Aéromite. Est-ce que la capture est... Oh. Ah oui, il y a mon chat qui regarde par la fenêtre, c'est très rigolo, il est à côté, là. Non, bon, on va le capturer. Je pense qu'au bout de 2 ou 3 Poké, bah Super Ball du coup. Ça devrait le faire normalement. C'est quoi, c'est pas des Master Ball d'ailleurs? Je sais pas c'est quoi les noms. C'est peut-être le nom anglais Master Ball. Vous me le direz dans les commentaires de toute façon. Tranquille. Niveau 51 et presque 52 pour. Wow. Pour Léviator. Je cherchais le nom. Incroyable. Alors. Ah oui, déjà 15 minutes en plus. Oh oui, bah, d'accord. Alors. Bon, avant tout, quand même, on va récupérer ça. Et on va prendre ce Pokéstop, bien sûr. Hein, et on va, du coup, on va s'arrêter. On va juste découvrir un petit peu la zone à gauche, à droite. Prochain épisode, du coup, on fera hein, la Team Star. C'est le dernier. Vous avez entendu, il y avait peut-être même une petite musique un peu asiatique. Donc, peut-être après, faudrait voir un petit peu la végétation. C'est vrai que c'était vachement luxurieux. Viens, mon Mimi. Et mon Mimi qui vient, qui fait des petits tours, c'est très rigolo. Alors, non, je ne veux pas de combat. Donc voici la Team Star, hein, voyez quand même. Ouais, c'est l'épisode où les Pokémon m'attaquent, hein. Je vais essayer de m'en mettre dans la... Voilà. Bon, on va le one shot, non, on a dit, hein, super efficace le vent. Oh. On va essayer de prendre la fuite. J'ai jamais vu une... Là, le vent, oui, c'est dans les airs. Wow. Oh, l'aviator apprend une nouvelle attaque. Ah, ça, c'est dragon, ça. Pas du tout. C'est de la merde. On garde Hydrocanon, forcément, qui peut avoir une super efficacité, forcément. Ok, donc là, il y avait un aéromite géant, un petit peu le seum. Regardez, il est géant. On dirait un dominant, le truc. Oui, bah, je l'avais capturé, de toute façon. J'en peux plus, c'est les... C'est l'épisode où tout le monde m'attaque, hein. J'en peux plus. On va lui remettre un vent violent, hein. Full efficacité là-dessus. Le vent sur l'eau, ça marche pas forcément. Donc, allez, ça dégage, petit insecte. Là. Oh, on peut le capturer. Oh non, bon, on l'a déjà capturé, c'est dommage. Ah, il est confus, donc il va peut-être se tuer. Après, je crois qu'ils peuvent pas se mettre des dégâts dans la confusion. J'ai l'impression qu'il y a des bugs, hein, donc on va voir. Est-ce qu'il va se faire mal? Bah voilà. Ah bah c'est bon, il a réussi à se tuer. Ouais, parce que fut un moment où il se blessait et ça, j'ai l'impression que ça les blessait pas, donc je sais pas trop ce que ça faisait comme bug en effet, mais bon, tranquille. Il a l'air de plus avoir le bug et bah je suis pas sûr d'avoir le Luxray. Ah, il a retourné de l'autre côté. C'est pas un Luxray, attendez, c'est Luxio, Luxray, si, c'est le Luxray, ok. Donc Luxray malheureusement électrique, donc on va envoyer la chose la plus grosse, c'est-à-dire un hydrocanon, faut que ça passe. Ok, ça a pas fonctionné. Waouh, on a un peu de chance, on a un peu de chance. Maintenant on va envoyer une cascade. Espérer ne pas le one shot, j'ai l'impression que la cascade fait plus de dégâts. Ok, et là faut qu'il ait peur. Et hyper, super ball. Oh la masterclass. Wow. Ok, non. Non mais il va attaquer électriquement. Voilà, bah c'est one shot hein, je pense. Non. C'était juste une paralysie. Ok. Faut qu'on capture. Et niveau 50 hein, par contre. Hein. Donc faudrait voir les Pokémon Terra Crystal. Oh. Ils sont niveau combien? Je regarde mon chat. Je sais pas ce qu'il fait actuellement. Ok. On a plus de vitesse. On est même paralysé. S'il fait une attaque, c'est le one shot. Hein. On a que 160 HP, je crois. Donc c'est pas forcément le. J'entends une dernière. Ok, hurlement, ça échoue encore. Ah, c'est. Ok, je fais une dernière Super Ball. On restera à 10 et c'est Hyper Ball après. Faut assurer niveau 50, c'est plus difficile à capturer quand même, hein, mine de rien. Putain, la vache. Est-ce que ça s'achète les Hyper Balls? Je pense que oui. Ça échoue encore, mais. Je sais pas c'est quoi ça, son hurlant. C'est de la giga double. Allez. C'est bon là.
Let's go, ok, c'est bon. Bon, c'est encore une capture d'un prochain Pokémon. On essaie de voir un Terra Crystal aussi. Bon, ils sont niveau combien? Et on s'arrêtera là, du coup. On l'envoie dans la boîte PC. Hein. Petit rappel de Pokémon Arceus. Hein. Il était dans notre équipe, c'était très rigolo. L'Elixir, un des premiers Pokémon que capture au final. Hein. Ouais, il n'y a pas de Terra Crystal ici. Hein. Il n'y a pas de Terra Crystal ici, donc on pourra pas trop voir le niveau. Mais c'est sans conséquence. Regardez, il y a un champignon géant. Ça me bute. Bah écoutez, on va se le faire, hein, je pense. Hein. Il n'y a pas forcément de Terra Crystal, donc on s'arrêtera là. Du coup, petit épisode forcément de transition. Et le prochain, par contre, la Team Star. Alors. Wish. Bah voilà, je te capture, quoi. Ok. Niveau 51, le golet. Donc c'est un golet. Voilà. Je pense que la rêve, c'est ça. Donc voilà, cascade. Pas trop, on est paralysé après. Hein. On est paralysé encore. Ok, ça va, ça part. Ouais, c'est pas efficace forcément. On peut mettre un vent violent en espérant que ce soit un peu plus efficace, lance-soleil. Ça échoue. Non, il évite l'attaque, ça va pas échouer. Ok. Mais ça, c'est quoi? Je comprends pas. Ah, d'accord. Mais wesh! Attends, ça fait deux fois qu'il esquive l'attaque, là, ça commence à me faire peur. On tente une cascade? Là, il va aspirer le soleil du coup. Que la prochaine attaque, faut pas qu'il l'envoie, sinon c'est presque le one shot du coup. Là, faut qu'on lui foute la trouille, hein, je pense. Hein. On va essayer en tout cas avec une Hyper Ball encore. On va garder nos 10 derniers Super Ball pour des Pokémon un peu plus simples, là forcément. Forcément, je le capture pas niveau 51, 52 même. Est-ce qu'il meurt? Ok, non. Bah, j'en remets une cascade. Avec le lance-soleil, il va pas nous attaquer là. Eh mais il y a un Aqualie derrière, incroyable. Ok, bon, on capturera l'Aqualie puis on terminera du coup l'épisode. Allez, Hyper Ball go. J'en peux plus. Hein. J'en peux plus, les Pokémon qui veulent pas se faire capturer, plus les Pokémon qui ont fait que nous attaquer dans cet épisode, je suis complètement HS. Ok, mais ça a l'air d'être bon quand même. Et oui, Pokédex mise à jour et là, un Aqualie du coup. J'espère qu'on va pouvoir le capturer. Forcément, je vais prendre Miascara parce qu'il a plus de vie là, mon Léviator. Faut que j'aurai juste pas le one shot avec une attaque de Miascara, mais au pire, c'est pas grave. Hein, on en retrouvera un autre. Hein, et pas... y a pas trop de soucis autour de ça. Allez, Aqualie, boum! Niveau combien? 51 aussi ou pas? Question qu'on se pose quand même. La tranche nuit, ça doit pas être trop efficace ni pas assez... Ouais, ça va être ouais, non. Bon, bah, tant pis, on le capturera dans un autre épisode. En tout cas, on a trouvé un Pyroli et un Aqualie. Et encore, il y a beaucoup de level up hein, quand même dans cet endroit forcément. On va pas y toucher pour l'instant, j'y toucherai un de ces quatre quand même. Donc voilà, si ça vous a plu quand même, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des petits commentaires. Ouais, c'est bon, on a une vingtaine de minutes de vidéo, donc c'est très bien. Je disais quoi du coup, les commentaires, voilà, les pouces bleus et tout. Comme d'habitude aussi, les réseaux sociaux, c'est très important quand même. Ils sont toujours affichés en fin de vidéo, donc vous le savez maintenant. Mais c'est toujours cool et puis on peut toujours papoter en off des vidéos. Quoi. C'est toujours cool, ça rajoute du contact, j'aime bien. Donc moi je vous fais 1000 bisous, portez-vous bien. Et comme d'habitude, une seule chose à vous dire, c'était Zoogien. Ciao, ciao!